Hasta luego, bonsoir, bienvenue chez moi, le pays de la musique. Je vous en prie, vos chaussures s'il vous plaît. Je vais réellement prendre vos chaussures. Hein. Je suis en train de les prendre d'ailleurs. Hop, j'arrive, bougez pas. Vraiment, c'est une collection. Allez, vamos. Rentrez chez moi. Je vous fais hésiter. Ça me rappelle des souvenirs. En fait, ici, c'est la première fois où je me suis senti moi, quoi. C'est la première fois que je me suis senti moi. Et pourtant, c'était pas chez moi. Et c'est ça qui est ouf. Je suis Gary, de Atom. Voici Lucky, Strike. Mon fidèle bras droit, né de nature. Vous demandez pourquoi Atom? Je vais vous répondre parce que... On a perdu deux âmes, deux frères, deux amis, deux sœurs. Butlers. And Butlers. Alors, ils se sont, on peut le dire, je pense... Ils se sont suicidés fiscalement parlant. Fiscalement parlant, voilà. Donc, D'où le nom Atom. D'où le nom Atom. Ah! Vamos! Vamos! Après. Coucou Bébou! Putain, mais c'est quoi ce bordel encore? On bossait avec Lucky comme d'hab. Oh non, mais vous faites chier, puis t'es encore là toi! Salut Suzy! Ça va toi, ton travail? Non, mais c'est pas possible, faut aérer là! Allez, c'est bon! Non, je vais me doucher, écoute, hein! Tu aères un peu! Qu'est-ce que tu dis? Oh Suzy, mais c'est ta vie. Suzy, qu'est-ce que tu dis? Suzy, putain! Personne pour une bière? La gueule, cafard. Ouais. Putain, bordel. Ah ouais, Jimac. Ouais. Comment ça va, Jimac? C'est Jimac. C'est la Jimac Yafouz. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Je crois que je vais devoir y aller. Oh, Gary, on va avec Jimac. Suzy, je suis désolé. Mais tu sais, l'amour est trop ponctuel pour être vécu en continu. Et j'ai deux femmes. Bon, les gars. On va se parler franchement, hein. Cette histoire de production que vous m'avez parlé là. Ouais. On c'est a quoi? Des trucs. On a du projet à te proposer là. On a taffé avec Gary il y a pas longtemps sur un truc. Ça s'appelle un petit peu comme ça. Et le sida en externe avec les pompiers. Ok, paye-moi une clope s'il te plaît. Vous faites quoi? Vous avez des lunettes rincées, claquées. On prend de l'amour. Oh, vous m'avez pris pour un chorizo ou quoi? C'est l'amour. Oh, moi, mon événement là, il va être pétant, il va être pétillant. Qu'est-ce qui nous manque alors? Du charisme. Ça fait 5 mois qu'on travaille notre charisme. Eh ben mon gars, ça fait 5 mois que tu le travailles très mal alors. Ça veut dire que t'aimes pas notre style, c'est ça? Ouais, ah. On est potes depuis 15 ans, ouais. Mais je vous le dis aujourd'hui, j'ai été avec vous. Maintenant, j'ai changé de vie, je me suis mis en action. C'est tes lunettes qui te font dire ça? Je peux peut-être y réfléchir. Ouais. Mais là, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est deux sacs à merde. Bah tu sais quoi, on va te le faire ce projet. On va te sortir un truc propre là. On va aller porter nos couilles et on va aller jouer. Devant toi, devant des gens. Et ils vont aimer notre musique, tu sais pourquoi? Parce qu'on est des rockstars! De légendes. De putain de légendes, mec. D'où Atom. Un long chemin sur une terre si plate. En faire le tour, c'est tracé tout droit. Moi j'aimerais savoir pourquoi tu t'envoles. Comme un corbeau qui a perdu ses doigts.